T'as recommencé. Je t'avais pourtant dit de te faire discret. On n'en a pas besoin. On a tout ce qu'il faut ici. J'en ai marre de servir à rien. T'as déjà assez subi comme ça pour nous. Faut bien que quelqu'un te donne quelque chose en retour. Mais vous êtes comme mes enfants. C'est pas l'éducation que je vous ai donnée. Écoute, si tu fais semblant de pas comprendre, c'est comme ça, ça sert à rien de parler avec toi. Ton frère est dans sa chambre. Il t'attend. La réunion de mardi a été reportée mercredi, c'est ça? Et pour les nouveaux agents, l'orientation, on fait comment? Bon, j'ai terminé le dossier, il peut partir au tribunal. On l'a retrouvé. J'aimerais bien savoir quelle erreur l'a trahi. Il s'est introduit dans une banque sans laisser de traces. Il a juste pris l'argent sans même ouvrir une porte. C'est vrai que ça, c'est pas à la portée de tout le monde. Maintenant, il faut viser juste. Pas à moi, Zed. On va agir vite et bien. Dix minutes. J'ai un contretemps, je ne pourrai pas être présent. C'est le seul jour que tu nous avais promis. Tu sais comment ça fonctionne, j'ai pas mon mot à dire. J'ai profité des contacts à la télévision pour qu'ils envoient quelqu'un filmer. La télévision? Elle en saura bientôt plus sur ta fille que toi-même. C'est un sacrifice, mais au moins on est à l'abri du besoin. Lily pourra faire ce qu'elle a envie. On regardera le film ensemble, demain soir, la famille. Je sais comment ça marche, te perds pas en chemin. Madame. Mademoiselle. Bonjour. Que nous vaut l'honneur de la visite d'une jeune danseuse étoile dans nos locaux. Papa a un contretemps, alors il a demandé à ses amis de la télé de venir me filmer. Comme ça, il me verra demain dans la vidéo. Un contretemps, dis-tu. Est-ce que la visite du bureau de ton papa pourrait te consoler? Oui! Maman, on a encore le temps? Oui. Très bien. J'ai vu monsieur Cazman ce matin. Il cherche un apprenti, il s'est rémunéré. Ouais. Mais j'écoute, mais le bâtiment, c'est pas fait pour moi. C'est pas toi qui dois me rendre l'appareil, alors accepte sa proposition. Je saurai au moins où tu es, et surtout que t'es en sécurité. C'est tout ce qui m'importe. En sécurité. Toi, t'en penses quoi? Ça serait peut-être quand même bien que tu construises des maisons. Au moins, tu pourrais nous construire un super château. Un super château, bah oui. Oh, bon sang. Là, faut vraiment qu'il arrête de se brancher sur notre disjoncteur, là. J'y vais. C'est fait. Léo? Ils vont s'en prendre à toi. Non, ils ont rien contre moi. Vous partez. Prends une bonne décision une fois dans ta vie, s'il te plaît. Tu viens avec moi aussi. Non, maintenant. Partez maintenant. Léo, j'ai peur. Ouais, bah moi aussi j'aurais peur à ta place. C'est ce que j'ai réussi à faire. C'est pour ça qu'on s'est enfui. Léo. Lucie, c'est pas notre tante. En fait, il y a 9 ans, je t'ai pris dans mes bras. Je l'ai frappé à sa porte. On a échangé un regard, elle a accepté de nous cacher, de nous accueillir. Mais on était en prison? Non. C'est un peu comme une prison. C'est un beau bâtiment où tout le monde est bien habillé, tout le monde sourit. Puis derrière, il y a des enfants, des nourrissons à qui on injecte des liquides. C'est des cobayes. Je comprends pas trop. Bah, toi et moi, nous injectons un sérum qui nous permet de manipuler le temps et l'espace grâce à des éléments naturels comme la pierre ou des plantes. Ah, c'est pour ça que j'ai pu empêcher qu'on me tire dessus. Ouais, en fait, tu voulais tellement pas que la balle m'atteigne que t'as touché l'herbe et t'as fait un retour dans le passé. Trop fort. Trop fort. Mais Ralph, c'est pas un jeu. Ça paraît drôle comme ça, mais ces pouvoirs, on nous les a donnés pour des mauvaises raisons. Ce qu'il faut juste que tu retiennes, c'est que c'est une chance d'avoir tout ça. Et que toute ta vie, il faut que tu t'entraînes. Les augmenter, les rendre plus forts. Mais Lucie, je crois qu'on va la revoir. Non, Ralph. L'insouciance, c'est terminé. Bienvenue dans le monde des adultes. Zed, je suis désolé. J'aurais dû te mettre au courant. Je me porte responsable de cet échec. Sébastien, je ne vais pas t'en vouloir d'avoir pris une initiative. Il est vrai que tu dois m'avertir de chaque action entreprise, surtout quand elle a cette envergure. Mais si mon vice-président n'a pas le droit de prendre de décision, à quoi sert-il? Trêve de complaisance. Les échecs servent à mettre en confiance l'adversaire, afin de mieux le cueillir lorsqu'il se sent invulnérable. Mais je veux te parler d'une affaire beaucoup plus importante. Plutôt d'une personne qui m'a vraiment impressionné hier après-midi. Lily. Quoi, Lily? Lily. En lui faisant faire le tour du propriétaire, nous sommes passés par la salle des expériences. Il s'avère qu'elle a un taux de cellules receveuses particulièrement élevé. Tu sais ce que ça signifie? Elle est compatible à une injection de sérum. Exactement. Et elle pourrait incroyablement bien réagir. Imagine. Ta fille, l'agent le plus performant qu'on ait jamais créé. Ce n'est pas un objet. Depuis quand tu te soucies de ça, toi? Ta fille pourrait épouser une carrière brillante au sein de notre société en se battant pour nos idéaux. C'est de l'or pur. J'imagine la fierté de son papa. Bah alors, ça n'a pas l'air de te faire plaisir? Je te soutiens car je crois en nos idéaux. Mais Lily n'est qu'une enfant qui rêve encore de licorne. Je préfère qu'elle ait une enfance, certes avec un papa souvent absent, mais où elle puisse faire ce qu'elle veut sans que personne ne prenne de décision à sa place. Très bien. Je n'émettais qu'une hypothèse. Tu es son père. Tu sais ce qu'il y a de plus simple pour elle. Je dois te laisser. J'ai une réunion dans un quart d'heure avec nos associés. Il faut que je trouve un plan d'attaque efficace afin de les mettre définitivement de notre côté. Jouer avec son cœur, de continuer à jouer en avançant. Ça n'est pas en retenant qu'elle y arrivera, c'est sûr. Et là, c'était parfait. Avantage, 173 km/h sur la ligne médiane et toute la perplexité. Et là, c'était parfait. Avantage, 173 km/h sur la ligne médiane. Qu'est-ce que vous nous voulez? Comment t'as réussi à prévoir mon arrivée? J'ai beaucoup progressé. C'est Léo qui l'a dit. Maintenant, on va pas laisser passer une aussi belle occasion comme ça. Retourne dans la chambre, Ralph. Léo, je ne suis pas armé et tu peux vérifier. Je ne suis pas venu pour vous, mais pour moi. Comment ça pour vous? Donne-moi une chance de t'expliquer pourquoi je suis là. Après, tu pourras me tuer si tu as envie. Juste une chance. Merci. Je comprends tout à fait ta colère. Ah oui? Vous comprenez? Qu'est-ce que vous comprenez pas? Qu'est-ce qui peut bien échapper à votre intelligence si développée? J'ai une petite fille d'à peu près ton âge. Il projette de lui injecter le sérum pour en faire un des vôtres. Ça te concerne, ça? Si je suis venu ici, c'est parce que j'ai vu en toi un espoir. Dès que j'ai été face à toi, j'ai tout de suite vu que tu étais différent. C'est comme si ce en quoi j'ai toujours cru s'effondrait. Et que je comprenais subitement que je courais à la perte de ma famille. C'est bizarre. Mais ça m'émeut pas du tout. Non, Léo! Si on peut empêcher qu'une fille perde de son enfance, comme tu le dis pour moi, je crois pas qu'on devrait tout faire pour l'aider. Je dis pas que je vous crois. Encore moins que je vous fais confiance. S'il existe la moindre chance de ne pas faire subir à un enfant ce que j'ai subi moi, bah je tente le coup. Comment vous avez fait pour nous retrouver? Grâce à un logiciel sophistiqué qui permet de tracer les enfants dotés d'un pouvoir à chaque fois qu'ils utilisent leurs facultés. C'est comme ça qu'on t'a retrouvé, Léo. Il faut quand même être sacrément stratège pour n'utiliser que 3 fois ce pouvoir en 9 ans. Les 2 premières fois, on était en retard. Pas la 3e. J'avais remarqué. Merci. Il faut que nous détruisions ce logiciel et que nous fuyions tous les 5. Avec votre fille et votre femme? Exactement. Alors comme ça, on ne transmet pas les informations au président? Tu devines bien qu'il n'a pas apprécié cette fois. Bon, fini de jouer, j'ai des ordres. Je te conseille de ne pas faire le héros et de me suivre sagement si tu veux pas qu'il arrive quelque chose à ton frère. Il faut faire vite. L'ordinateur est par là. Tu me rejoins quand t'as fini. Léo? Tu es parti tellement vite la dernière fois que je n'ai pas eu le temps de te parler. Vous voulez dire pas eu le temps de me laver le cerveau un peu plus en profondeur? Pourquoi tant d'arrogance? Je n'ai pas de faire de mal. Pas me faire de mal? C'est pourtant ce que vous acharnez à faire depuis que vous nous avez injecté cette merde. Je vous ai donné la chance d'être différent. De servir ce qui s'avère être la plus belle des causes de ce nouveau siècle. Là où le monde échoue, nous sommes là. Je préfère crever que de subir encore une fois votre bourrage de crâne. Je ne te toucherai pas. Je voulais juste que vous reveniez, toi et Ralph. Pourquoi? Pourquoi une telle fixation sur nous? Vous n'avez pas assez de moutons à votre service? Il en fallait deux de plus à votre collection, c'est ça? Je voulais vous voir grandir. Je vous ai déjà fait subir l'absence de votre mère. Il fallait que j'essaye de me rattraper. Il fallait que j'essaye d'être un père. Au défaut d'en être un bon. Je pourrais pas nous téléporter tous les trois. Partez tous les deux. Je prends l'escalier de service. On se retrouve à l'appartement. Ok. L'explosif peut pas être désamorcé, faut évacuer. Il va falloir que tu me contredises. J'ai plus assez de force pour nous téléporter tous les deux. Je vais te faire sortir, toi. Mais faut que tu me fasses une promesse. Non, Léo! Si! Non! S'il te plaît, écoute-moi. Zed, le responsable de tout ça, c'est notre père. Il t'a menti? Non, bizarrement, je crois pas. Si vous voulez me tuer, il l'aurait fait. Père ou pas père, l'important c'est pas ça, l'important c'est que toute ta vie tu dois lutter contre Rome. Que toute ta vie soit un combat. Un combat pour que tu vois le monde tel que tu veux qu'il soit. crois en toi. Ce jour-là, un destin s'est scellé. Pas celui de mon frère, ni le mien. Celui de Home. Car je me suis juré qu'avec ou sans moi, les responsables de tant de drames dont l'enjeu me dépassait à l'époque, périraient un jour ou l'autre. J'ai beaucoup voyagé depuis, laissant cette fêlure reposer dans un coin de mon esprit. J'ai pris du recul, et je suis enfin prêt. Honorer ma promesse.